Le patriotisme, cette valeur profonde qui souligne l'attachement et le dévouement à la patrie, souvent accompagnée de la volonté de servir son pays, cette notion, chacun en tire parti pour ne retenir que le meilleur, selon son entendement. Pour moi, avoir l'esprit patriotique, c'est aimer son pays, avoir de l'amour pour son pays, quoi. Avoir ce sentiment pour mieux défendre les intérêts du pays. Sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui permet que n'importe quoi et n'importe qui ne peut pas venir faire n'importe quoi dans ton pays, en fait. Pour moi, avoir l'esprit patriotique, ça passe par le geste du bon citoyen. Notamment, il faut apprendre à vivre en communauté, poser des actes qui puissent aider la communauté à vivre ensemble. Pour beaucoup, le patriotisme devrait être partout où le besoin se fait ressentir. D'aucuns pensent même que le patriotisme, en 2024, passe aussi par la protection de l'environnement. La préservation de l'environnement, voilà, propreté, parce que je constate que la ville est sale et les plages, je vous assure que le plastique, c'est partout. Donc l'esprit patriotique passe par la protection de l'environnement. Et pour d'autres, certaines valeurs patriotiques ont été perdues avec les années. On nous a endoctrinés. Hein, l'Occident nous a endoctrinés. Ils nous ont inculqué certaines choses, des connaissances, c'est vrai, mais qui nous ont beaucoup plus assujettis en méconnaissant nos valeurs personnelles, donc ancestrales. Et s'il faudrait qu'on revienne là-dessus, en reconnaissant qui nous sommes, on pourra également s'occuper de notre pays. Beaucoup de gens ont perdu même l'esprit patriotique. Pourquoi ? Parce que même dans l'administration, des fois, le subalterne ne veut pas considérer le chef. Et quelque part aussi, au niveau de la famille, au niveau des amis, le manque de respect des amis. L'amour du pays est ce sentiment qui permet à chaque individu de travailler pour construire et développer sa nation. Pour éveiller ce sentiment chez le peuple gabonais, les manifestations du mois d'août mettent en avant le pays dans toute son identité.